J'espère que vous n'avez pas trop eu chaud cet été. Mais là, moi, parce que je vous rappelle, je filme en décalé par rapport à vous. Moi, j'ai eu 36 degrés aujourd'hui. Voilà. Début août, 36 degrés. C'est chouette, non? J'ai pas mal souffert. On va monter là. Ah bah non. Donc, salut à tous, c'est bien sûr Rio. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro. Numéro, attention, on va voir si vous suivez. La numéro 23. Et oui, c'est bien la numéro 23. Et nous nous retrouvons chez moi le soir. Ah ouais, le soir, je pouvais pas vous faire une vidéo dans la journée. Enfin, je pouvais pas la tourner dans la journée plutôt. Parce que il faisait tellement chaud que c'était impossible quoi. C'était vraiment impossible. Un petit glacier. Brasier plus. Bibi, il n'y a plus beaucoup de vie là. Enfin, il est hyper rare, pas mal. Ça suffit? Ah, qu'est-ce qui se passe? 60. Vas-y, Bibi. Fais-nous fondre la glace. Fais-nous fondre ta glace. 603. Oh la vache. Est-ce que tu pourras l'avaler? Je suis pas sûr. Non. Ah là, je me fais toujours avoir, mais c'est. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Je sais pas si le cadrage il est bon, par contre. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas top top. Je commence à avoir pas mal de gilets là. Alors par contre, on va donner de la potion à Bibi. Voilà. C'est bon, la petite communauté peut repartir. Ah merde, il y avait un coffre. Je pensais pas que c'était un cul-de-sac. Je me suis fait avoir. Hop. Canne feu. Bah, décidément, Bibi, t'es canne là. Les cannes, c'est pour Bibi, je vous rappelle. Ah, dans le cadrage, j'ai l'impression qu'il est tout pourri. Bon, je m'excuse d'avance pour le cadrage. Je sais qu'il y en a qui vont râler. Mais bon. Ah, des nouveaux ennemis. On va voir s'ils sont résistants. Comme ça, ils n'ont pas l'air. Tu l'attaquer. Ah ouais, en un coup tu le tues toi. Eh bah les gars, faut le dire si on vous gêne hein. On va virer Freja et Quina parce que vous débrouillez tout seul. niveau plus. 12 et 13, c'est parfait. Deux potions, un lasik. On est reparti là-haut. En tout cas, il n'y a pas grand monde dans cette ville de Clara, là. Clara. J'ai vu tout de suite le coffre. Desert Boots. Faut que j'aille où là? C'est pas très bien indiqué. Hein. Messieurs, dames, là, Cléra, la ville de Cléra. Ouh, que c'est madame, madame Patate? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'homme sable.
Mais je pense qu'un peu de feu lui ferait du bien, lui, non? Ah ouais, quand même. Brasier, ah non. Combien tu m'enlèves ça? 108, ah ouais. T'es un gars sérieux toi. Je pense un glacier ça va lui faire plus de bien en fait. Mais sérieux déjà? Ah non, elle n'est pas mort. 5, ouais. J'applaudis Queen. 40. Ouais, c'est pourri aussi. Toi, tu vas boire de l'éther. 69. Bon, tu vas la avaler. Ne me dis pas qu'il se reprend la vie avec. Hein. Non. Qui peut l'avaler? Ah, impossible d'avaler! Ah. C'est dommage, c'est dommage. Oh, il est chiant! Allez, quand vous voulez, les gars. Les combats sont, c'est vrai, c'est un peu long par moment. C'est peut-être le seul petit reproche que je pourrais dire. Ouais, merde, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas ce qu'il, à quoi il joue là, l'espèce de géant. Hein. Mais ça me plaît pas trop. 240. 108? Bibi a jamais fait ça. Ouais, mais arrête de t'enfoncer dans le sol. Tu vas sauter pour que tu fasses ta magie. Glacier. Ta magie glacier. Je voulais des ennemis résistants, bah j'en ai eu là. J'en ai. Ça je pense que ça va le refroidir un petit peu. Voilà. Vas-y Freja. Oh pff. Le mec, à quoi tu sers toi? À quoi tu sers, sérieux? Dix. Allez les gars. Cent huit, un petit coup. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vois même pas s'il se reprend la vie ou pas. On va lui faire un glacier plus, ça va bien le calmer. Bibi, par pitié, fais ton glacier plus avant qu'il devienne petit. S'il te plaît, Bibi. Mais non, mais le mec il sert à rien.
Je sais pas c'est quoi ça. Bon état. Pourquoi on a une vue d'en haut comme ça? C'est laid. Je trouve une vue comme ça en haut. Allez, 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 allez. Tu me fais un glacier plus. Alors qu'il devient petit. Voilà. Wouah! Il est pas mort avec ça! Il est super résistant! Mais... qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou bien le gars, enfin le géant, 30 000 points de vie! Ou bien je sais pas, mais. Oublier une technique pour l'avoir, mais on va lui voler parce que il se reprend de la vie, c'est pas possible aussi. Voler maxi potion, hein, c'est bon ça. Oh là là, il est chiant. J'essaierai de l'avaler, mais je crois qu'on ne peut toujours pas. Hein. Ok. Glacier plus. Attaque. On va y passer 10 minutes sur ce combat. Je sais même pas si c'est un boss ni rien. On dirait pas que ce soit un boss. Il m'attaque même pas en plus. C'est ça que je trouve bizarre. Encore il m'attaquerait, d'accord, mais là. Il attaque pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah là je comprends pas. On va essayer de lui faire somnier parce que. Ah non. Je sais pas du tout comment l'avoir ce con. Raté. En fait faut tout. C'est quoi ce petit truc rouge aussi là? Ah non. Ah non, on peut changer le. Le curseur. Ça y est, commence à m'attaquer maintenant que je vise. Putain, je commence à comprendre, la vache. La tête. Putain, ils sont trop fourbes dans ce jeu. Eh, sérieux, ça. C'est un jeu de fourbes, hein. Je disais bien qu'il fallait toucher le truc rouge, là, mais... tu peux bouffer le truc rouge là. Ça se mange peut-être. Oh il fait chier. Bibi, je compte sur toi. Oh non, il va faire son con là. Non.
Allez! C'était ça. C'était ça. Hey, quel con, j'ai passé 10 minutes dessus. 10 minutes en train d'essayer de combattre un géant des sables. Alors, dans ce cas. On va avancer. Moi, je voulais prendre une potion en fait. Alors, déjà, une de l'éther pour Bibi. Une maxi potion pour Bibi aussi, je crois. Pas besoin de maxi potion. On va utiliser les potions plutôt. Ça, c'est bon. Toi, hop. Voilà. On y go. Paramite. La musique en tout cas très étrange ici avec les rats. Je déplace le levier. Ok, c'est une succession de leviers à descendre, j'ai bien compris. Je peux pas monter là, d'accord. Mid-gilet. Par là alors. Ah voilà. Potion. Toujours bon à prendre les potions. Ne pas négliger une potion. Élixir. De jouvence ou pas? Petit élixir de jouvence. Vous allez être enterré. Appuie rapidement. Merde. Appuie rapidement sur X, je crois. Sur croix, pardon. Nous sommes sur PlayStation et nous devons dire croix, carré, triangle et rond. Un scorpion. Scorpion, ça aime pas le feu, hein. Je pense. Ouais, c'était ça. Tu vas le bouffer si on te l'a pas tué. On te l'a pas tué, vas-y, bouffe. Et là, ne me dis pas qu'il peut pas bouffer, hein. Ah bah voilà, c'est pas bon, hein. A priori, le scorpion, pourtant dans certains pays ça se mange le scorpion, notamment en Chine il me semble. Niveau 13, désembrouille, il faut appeler sur croix, c'est ça. Ah. Voilà. 900 gilles. Je suis en train de démolir mon bouton. Putain. Mon bouton croix. Mais en fait, je vais aller au coffre là. Là, non. Ah voilà. En fait, fais les galères un peu doucement. Ah. Non. Ah, que tu fais avoir. Voilà. On sort d'ici. Simple mouvement.
On va d'abord avoir le droit à un petit combat. Contre un oiseau encore. Bah oui mon petit, pas besoin de crier comme ça. T'aimes pas... Toi t'aimes pas... Je sens que t'aimes pas la foudre toi. J'ai pu... Ah bah non j'ai pas... D'accord j'ai pu les... Objets. Comment on fait? Ok bon on va se faire un brasier. Ah bah non merde il aime bien les brasiers lui. Enfin il aime bien il a attaque brasier. Trans, qui est en trans? Kuna. Coucatrix. Vas-y Kuna attaque. Il est pour toi celui-là, Kuna. Wouah! Et il est pas mort en plus. Ah, si, ça y est là. Bien joué, Kuna, en tout cas. Encore un beau travail d'équipe, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça. Je trouve que c'est un très beau. Très bon travail d'équipe. Alors là, je vais remettre la canne à Bibi, canne de foudre canne, parce qu'il n'a pas encore. Équipement, pardon. Hop. Foudre canne, voilà, il n'a pas encore foudre plus. Donc, on va le faire un peu XP, ça, quoi. Il y a un coffre là-bas. Choco-légumes. Qui aime les légumes, ici? Vous aimez les légumes, les chocolat-légumes? Un mélange de légumes et du chocolat. C'est un chocolat-légumes. Ah mon psy. Alors voir si Bibi. Non, Bibi il est pas chaud. Brasier plus. Bibi. Foudre plus. Planqué. Il s'en va, c'est ça? Hein? Il est où, Jiden? Il l'a avalé? C'est quoi cette blague? Ils ont volé Jiden. Putain mais il est où? T'as bien compris le délire. Hop. C'est bon, on va monter. On monte tranquillement. Je sais pas du tout où c'est qu'on va là. Non. En tout cas, c'est très haut, Clara. Ah, bah voilà, en fait, on n'était pas encore à Clara même. Pardon. Kildea, prêtre du bois. Dame Freja, je présume. C'est bien moi, mais... Satolea, prêtre du sable. Nous vous attendions. Comment vous connaissez-vous? Le souverain de Blue Messiah nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir. Le roi est-il sain et sauf? Conduisez-moi jusqu'à lui. Ce sera un honneur. Je vais voir le roi, Didane. Profitez-en pour vous reposer un peu. D'accord. Par ici, je vous prie. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville? Bien sûr, s'il vous plaît.
fait un petit tour de la ville. On est touristes en même temps, on est des touristes. C'est notre réserve d'eau. Je vous dirai plus tard comment nous faisons pour avoir de l'eau à cette altitude. Par ici, je vous prie. Voici l'endroit le plus animé de notre ville. Bien qu'aujourd'hui il n'y ait que peu de monde, hein, je vois ça. Par ici, je vous prie. C'est grâce à ces éoliennes que notre ville connaît une bénédiction de l'eau. Elles fonctionnent grâce à la tempête qui font monter de l'eau à la surface jusqu'ici. Ah ouais. À présent, laissez-moi vous montrer notre belvédère. Ça va, c'est sympa comme petite ville là, dans l'arbre. On ne voit pas grand chose par contre, à part le sable là, à perte de vue. Ce belvédère est notre lieu de méditation. Nous venons y regarder notre tempête protectrice et nous adresser nos prières. Pour finir, dirigeons-nous vers le grand temple. Je vous offre une petite visite gratuite de Cléra. Voici le grand temple, la résidence du grand prêtre qui nous apporte la paix. C'est ici que le roi de Boumessia reçoit Dame Freja. C'est aussi dans le grand temple qu'est gardée la harpe incrustée de pierres magiques dont la magie engendre notre tempête protectrice. C'est terminé. Eh ben, c'était bien sympa. Vas-y, tu termines ici. Merci. Bon, moi je me casse. Ah! Voilà. Putain, mais comment on peut deviner qu'il y a un coffre là, quoi? Sérieusement, comment tu peux deviner qu'il y a un coffre ici? Il n'y a rien à manger. Il n'y a absolument rien à manger dans cette ville. Ils ont la tarte au maroilles. Pas de cuisine ici. Bah écoutez, ah, encore un timing. Ne rejetez pas. Bibi ça. Ah, un monstre à chapeau pointu. Ne vous approchez pas de nous. Je savais, t'es venu nous agresser. Ah, c'est Dan. Mais écoutez. Je crois bien qu'on va s'arrêter ici, ça fait déjà 28 minutes. Voilà. C'était encore une bonne petite partie du playthrough. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé encore une fois. On aura vu plein de choses durant cette vidéo. Plein de bonnes choses. Et il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette 23e partie du playthrough Final Fantasy IX. Moi, je vous retrouve prochainement pour la 24e partie du playthrough Final Fantasy IX, comme je viens de le dire. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bye bye les amis.